Hello tout le monde, j'espère que ça va, que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve avec un nouveau retour de course. Donc on est mardi. Bon, généralement je poste jamais le mardi, donc soit le jeudi, soit le vendredi ou le mercredi. Mais bon, je vous montre ce que j'ai pris en ce début de semaine et fin de semaine dernière. Donc voilà, c'est un peu mélangé. Bon, je vous montrerai pas les trucs qui sont pas plus en promo. Je vous montre les trucs qui sont encore d'actualité, c'est normal. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai fait Leclerc et Auchan, donc le champ, j'ai pris deux trois petits trucs, donc c'est pas énorme de ouf, mais de base c'est Leclerc. Voilà, donc on va commencer. J'ai pris du pain Harris comme ça, rustique, roustique, au seigle et aux graines, donc franchement sans sucre ajouté, donc voilà, et c'est très bon. J'ai goûté une tranche, c'est très bien grillé et tout. Ah, maman, c'est trop trop bon. Donc du coup, c'était 2,23 € un truc comme ça. Je me souviens plus du prix, désolé, franchement, je me souviens plus du prix et j'ai plus le ticket de caisse. J'ai donné un bon de 60 centimes que j'ai trouvé en rayon. Et j'ai demandé 60 centimes sur Vidéo, les 60 centimes sur Finmi. Donc du coup, ça me revient dans les 55 centimes. Ça, je suis sûre. Donc, et c'est très bon. Franchement, du pain, 55 centimes, c'est très bien. J'ai pris de la savane comme ça. Sachez que quand c'est votre anniversaire, Shopmium vous offre un paquet de savane. Soit marbré, soit au chocolat noir. Je crois qu'il y a nature aussi. Je sais pas si ça existe en vrai. Si ça existe, oui, il y a nature. Et donc du coup, moi j'ai pris marbré, j'ai pris 2 €, ah, c'était à 2,65 €. Et bah, ils m'ont déjà remboursé. Donc franchement, n'hésitez pas si vous avez votre anniversaire. Je vous laisse mon code parrainage en barre d'infos si vous l'avez pas. C'est toujours ça de prix, hein, franchement. J'ai pris le perle de lait aux amandes. Ça y est, maintenant, j'achèterai plus le perle de lait à la vanille. C'est aux amandes. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il existait aussi la noisette. Mais bon, je suis pas trop fan de noisette de base. Donc je sais pas si je testerai un jour. Mais j'ai repris à l'amande. Donc du coup, c'était 2,23 €. J'ai donné un bon de 40 centimes que j'avais trouvé en rayon. Et j'ai fait 40 centimes sur Feed. Oh, les 40 centimes sur Feedme. Et 25% sur Shopmium. Donc 55 centimes, un truc comme ça. Donc ça me revient à 47 centimes. Donc franchement, c'est plutôt cool. Bon, 3 yaourts, c'est bien. J'ai pris de la glace nuit. C'est au caramel, chocolat blanc et noix de pécan. Texan pécan. Oh, I don't know. C'est très très bon. Il y en a 4 dedans. C'est trop bon. Oh là là. C'était 3,65 €. J'ai pas donné de bon parce qu'il n'y en avait pas encore en rayon. Ou je sais pas si on aura ou pas. J'ai donné. Non, j'ai fait un remboursement de 1,35 € sur Filmi. Oh, les 1,35 € sur Filmi. Donc ça me revient à 1 € pile. Donc c'est plutôt bien. Franchement, moi, je suis trop contente. Bon, j'ai déjà tout mangé en 2 jours. Voilà. C'est rapide chez moi. Ça reste pas longtemps, moi. C'est pour ça que j'ai des boutons et tout. Ah, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai pris encore chez Leclerc? J'ai pris le Cantrex comme ça. Ça. J'ai pris 2 parce qu'il y a une promo à acheter le deuxième à moins 50%. Donc, du coup, vu que ça c'est 19,99 centimes, le deuxième il revient à 49 centimes. Donc, c'était 1 euro, genre 1 euro 49, 1 euro 50 les deux. Donc, j'ai donné 2 bandes de 35 centimes. Il y a un qu'elle a oublié de passer. Donc, du coup, c'est pas grave. Bon, je vais pas chipoter pour 35 centimes. Donc, mais voilà, vous donnez 2 bandes de 35 centimes que vous avez trouvé en rayon. J'ai fait une fois 35 centimes sur Feed. Oh, une fois 35 centimes sur Feedme. Je testerai une deuxième fois parce que bon, ça n'a pas encore été validé. Donc, du coup, j'attends. Mais quand ça sera validé, je retesterai, je referai une deuxième fois. Mais dans tous les cas, ça me revient gratuit parce que j'ai demandé 2 fois 30 centimes sur Coupon Étoile que j'avais pas dit qu'il y en avait. Donc, du coup, j'étais trop contente. Donc, 60 centimes. Et j'ai demandé 2 fois 20 centimes sur Ygramme Market, donc 40 centimes. Donc, dans tous les cas, ça me revient gratuit. Ça, c'est trop bien. C'est trop frais pour l'été. Je mets un peu de sirop. Et c'est bien parce que c'est un peu fade, hein, c'est pas sucré comme j'ai envie. Avec un peu de sirop et tout, ça te fait une petite boisson. Donc voilà. Bref, j'ai pris encore de la lessive Dash. On va pas m'arrêter, c'est bon. J'ai pris, bah, c'est des petits paquets de 19, donc c'est pas des gros gros paquets. C'était 8,91 €. Le deuxième, il passe à 2 euros. Enfin, en fait, les deux, ils passent à 11,80 €. 11,80 €. J'ai donné 2 bandes de réduction de 3 euros. Que j'avais reçu avec TRND, ils sont encore disponibles, enfin, ils sont encore valables jusqu'au 30 juin. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, franchement, je les ai, bah, je vais les passer. Donc, 11,80 € moins 6 euros, bah, ça fait dans les 6,80 €, 5,80 € déjà. 5,80 €. J'ai demandé une fois 3,60 € pour achat de 2 sur Coupon Network. Je vais avoir 30% sur Shopmium, donc 5 euros et quelques pour achat de 2. Je vais demander 34% avec en vue de plus. Et j'ai tenté Coupon Network aussi 2 fois 1,90 €.
Donc j'attends. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, ça me revient gratuit. Avec le bon échoppe minimum, ça me revient gratuit. Avec envie de plus et coupon network et tout, ça me fait du bénéf. Donc ça, c'est trop bien. Donc voilà pour la lessive. Il y a Ariel aussi, mais bon, c'est pas intéressant. Il n'y a plus sur coupon net, enfin sur Shop Mien. Donc je trouve que ça m'intéresse pas trop. Moi, je veux le gratuit avec du bénéf. Si j'étais gratuit bénéf, j'achète. Sinon, j'achète plus. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ben, c'est tout pour Leclerc, franchement, c'est tout. Là, j'ai pas, je suis passée. Je sais pas si vous savez, sur Auchan, on me l'a dit, moi, je ne savais pas. Donc, il y a un jeu où tu gagnes des bons d'achat de 1 euro. Donc, tu joues deux fois par jour et tu gagnes, bah, tu peux gagner 2 euros. Bah, c'est pas des bons cumulables, donc c'est 1 euro par tour. Et donc, du coup, j'ai joué, j'ai gagné 2 euros. Je joue deux fois, à chaque fois, j'ai gagné 1 euro. Et ce jeu est valable jusqu'au 15 juin. Donc, dans pas longtemps, ça sera fini. Donc, essayez de jouer. Vous pouvez jouer tous les jours. Hein. Vous jouez tous les jours, vous aurez. Bon, aujourd'hui, j'ai joué, j'ai rien gagné. Donc, je suis trop dégoûtée. Hier, j'ai joué, j'ai rien gagné. Donc, j'espère que demain, je gagnerai au moins 1 ou 2 euros. Ça serait trop bien, tu vois. Donc voilà. Et je suis allée à Auchan, du coup, pour dépenser mes 1 euro. Donc, je vais faire deux tickets différents, deux passages, parce que vu que ce sont pas cumulables, bah. Bon, désolé, ça a coupé parce que mon téléphone, il est super chargé. Du coup, bah, j'ai dû enlever des trucs. J'espère que là, ça va marcher parce que ça commence à saouler. Donc, du coup, avec mes bons, j'ai pris une petite tartelette à 1,50 € à la pâtisserie de Auchan. Du coup, bah, ça me revenait à 50 centimes. Mais vu que j'ai fait du bénéfice sur des autres petits produits, bah, ça me revient gratuit. Avec les autres, j'ai pris, parce que dans mon Leclerc, il n'y en avait pas. Du coup, bah, je me suis dit, je les achète à Auchan. Le petit skyr Danone, comme ça, à boire à la vanille. C'était 1,73 €. J'ai donné un bon de 40 centimes que j'ai trouvé en rayon. J'ai fait pareil 40 centimes sur Feedall et Feedme. Et j'ai demandé 55 centimes sur le site Danone. Du coup, n'oubliez pas le site Danone, vu que ça fait partie de Danone. Bah voilà, de checker de temps en temps, tous les mois, de voir ce qu'il y a. Et c'était gratuit avec du bénéf. Et j'ai pris dans le même truc le kéfir de Activia à la myrtille. Mais il y a nature et myrtille. Du coup, pareil, c'était 1,76 €. Et j'ai pas donné de bon parce que je comptais pas l'acheter spécialement. Mais bon, voilà, vous pouvez imprimer un bon sur coupon network, il y en a de 30 ou 40 centimes. Mais voilà, c'est pas grave. J'ai demandé quand même 40 centimes sur Feed, oh, les 40 centimes sur Feedme. Et je demandais 40 centimes sur coupon network, 30 centimes sur Igramarket et 20 centimes sur Coty. Dans tous les cas, ça me revient gratuit avec du bénéf. Du coup, voilà, ce que j'ai mes petits achats avec mes bons de 1 euro, c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours 1 euro de prix. Voilà. Après, quand vous voulez acheter plein de trucs, vous séparez juste, vous divisez 1 euro. Donc voilà, bah, c'est tout pour mon petit retour de course de cette semaine, la semaine dernière, genre voilà. Après, il y a des trucs que ça vous intéresse pas complètement. Donc, on se retrouve peut-être à la fin de la semaine, je sais pas, faut que je vois. Il y a la sauce tomate Barilla qui est super, c'est super intéressant, qui est sur Coupon Network et Coty. Elle est en promotion chez Leclerc, donc elle passe à 1 euro. Enfin, acheter le deuxième moment truc, franchement, ça vaut grave le coup. Vraiment, ça vaut grave le coup, ça, il faut que je l'achète aussi. Il y a quoi d'autre? Bah, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Bon, je vais arrêter, sinon ça va couper là. Et franchement, c'est bon, j'en ai marre de reprendre à chaque fois. Donc, je vous laisse tous mes codes parrainage en barre d'informations. Si vous avez des questions, je suis sur Instagram. C'est le même nom que ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre. Voilà, si vous avez envie. Et nous, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Bye.